Bonjour, eh bien, je suis née à Paris, dans le 14e. Et puis, ben, j'ai toujours été parisienne, plus ou moins. J'ai commencé très tôt le théâtre et le doublage, je devais avoir 16 ans. Donc voilà, puis après j'ai eu une compagnie de théâtre, enfin plusieurs compagnies de théâtre. J'étais metteur en scène, je continue à être comédienne et puis maintenant je fais de la direction artistique en doublage. Donc voilà. J'ai pas fait d'essai pour ces rôles-là, on m'a distribué dessus, donc voilà, j'étais très contente, c'était sympa. Et puis ben, je me suis bien amusée, l'équipe était très bien, et puis c'était très rigolo à faire. Mais j'étais petite, hein, j'avais 16 ans, alors forcément on s'amuse toujours quand on fait ça. Mais c'était super. Impossible pour nous de la retrouver. Spéciales. Leur floraison est un véritable miracle. Fumi, c'est ta faute si j'ai dû utiliser cette fleur si pure pour combattre une cause si abjecte. Moi, je pense que c'est parce que c'était le Club Dorothée aussi. Hein, et que le Club Dorothée, moi, je vois tous les gens de 40 ans, ils connaissent tous. Donc, ils sont fans, quoi. Donc, je pense que c'est lié à ça. Puis, il n'y avait pas autant de chaînes à l'époque. Donc, forcément. Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas un grand souvenir de ça, parce qu'à l'époque, je devais travailler énormément, et qu'il y a un moment donné, je n'ai pas un grand souvenir. Mais si vous en avez un, vous, c'est que ça doit être bien. À la nouvelle entreprise qui débute. Si tout le monde s'y met, ça marchera. Pouvoir maximum. Franchement, là, je pourrais pas vous répondre parce que c'est pas mon âge et c'est pas ma culture. Donc moi, je le fais parce que c'est mon métier. Mais je dois vous avouer que je me suis pas penchée sur la culture du Power Ranger. Voilà. À mon tour, par ici, Ratsik. Ah, moi j'adore cette comédienne, je m'entends très bien avec en plus parce que j'ai son rythme, j'aime beaucoup de la doubler. Et ouais, j'aurais bien aimé le faire, mais enfin on me l'a pas proposé, alors je vais pas me battre. Mais non, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette comédienne, je la trouve formidable. Alors moi j'ai beaucoup aimé faire Chili dans Parker Lewis Can't Lose, j'ai trouvé que c'était formidable, en plus j'adorais cette comédienne et puis la série était super, elle était complètement barge, j'aimais beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé faire Tia Texada dans New York 911, j'ai trouvé que c'était vraiment formidable. Et là je viens de finir un rôle magnifique dans une série Canal Plus qui s'appelle Pause et c'est super, je suis un transsexuel. Oui, c'est la vérité, je compte monter ma propre house, une équipe rien qu'à moi, c'est mon plus grand rêve et mon heure est venue. Oui, je sais que ça peut paraître bizarre, mais ça colle très bien et c'est super. En fait, moi, il n'y a rien que j'ai moins aimé parce que je m'amuse tout le temps dans mon métier. Donc non, il n'y a pas de choses où je me dis « c'était pas bien, machin et tout ». Je trouve que j'ai de la chance de pouvoir faire un métier qui me plaît. J'ai jamais l'impression de travailler, en fait. Il faut visionner les produits en langue originale avant, faire un casting de voix française qu'on propose de temps en temps aux clients ou alors que je décide moi-même avec l'accord de mes chefs de produits et de mon patron, bien sûr. Et puis à partir de ce moment-là, une fois qu'on a tout le casting, faire de la direction artistique et demander aux acteurs d'aller tous dans le même sens par rapport à la compréhension que le directeur artistique a du produit en fait. Alors moi,
moi j'aime bien tout, mais je dois dire que ma nature irait plutôt vers la direction ou la mise en scène au théâtre, ou alors la direction artistique en doublage, mais c'est parce que j'aime bien manager des équipes, moi. Donc voilà, mais je suis aussi très à l'aise et j'aime beaucoup faire la comédienne toute seule. Donc vraiment, voilà. Oh, Carrie, tu es réveillée et je vois très bien que tu n'es plus malade. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus le sens des valeurs. Quand j'avais leur âge, je montrais plus de respect quand je recevais un cadeau. Je trouve que ça fait mieux que Juliette. C'est comme Anne-Laure, ça ne me plaît pas. Mais enfin, tu fais comme tu veux. Moi, si j'étais toi, je me ferais appeler Laurent. Ils vont m'emmener, c'est sûr. Prenez soin de ma fille, Gabi, je vous en supplie. C'est vrai, si tu veux que ton chef arrête de te crier dessus, je crois que c'est la seule solution. Ton petit baratin, ça marche pas avec moi, d'accord? Parce que moi, on peut pas me pigeonner. Mais Son, ça fait 2 jours que je suis là. Mes parents doivent être inquiets, mets-toi à leur place. Ils pensent peut-être que je suis morte. Tu es encore en train de pleurer. Et je te conseille de ne pas aller te plaindre auprès d'Annie. De toute façon, tu peux toujours le faire. Elle ne t'écoutera pas. Elle est trop en colère contre toi. Je vais monter sur tes épaules en dominant la situation. Ce sera plus facile. Vous allez pas vous défiler tous les deux. Mes parents n'ont aucune chance. Ma mère prend les médicaments pour son estomac. Elle a jamais fait de sport de sa vie. Elle va me ridiculiser. Je peux pas leur faire confiance. Tandis que vous, vous pouvez gagner.